Coucou tout le monde, c'est parti pour la découverte de Veland Beneath Us. Il s'agit d'un dungeon crawler roguelite au tour par tour. Il paraît qu'il est inspiré de la mythologie galloise, mais il y a tout un côté très futuriste dedans, un côté très stylé. J'ai hâte de le découvrir. Sachez qu'il est disponible à partir de 13 mai 2024 sur Steam et il est développé par Fairplay Studios, édité par Dear Villagers et Gamera Games. C'est parti pour la découverte. On commence donc le jeu sur les terres de Lozgi. J'espère que ça se prononce comme ça, je n'ai aucune idée. Pour vous expliquer un tout petit peu, en fait, en regardant le losange droit devant, en fait, ça montre nos possibilités d'attaque. En fait, on peut attaquer à gauche, à droite, en haut, en bas. Et selon l'arme qu'on a équipée sur ces losanges-là, bah, ça sera des attaques spécifiques à cela. Vous allez découvrir avec moi par la suite, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, je suis main nue. Là, le carré orange-jaune, là, ça nous montre que l'ennemi va attaquer là la prochaine fois. Donc, soit j'attends, vous voyez, j'appuie sur X, soit je bouge. Moi, je vais attendre et là, je vais attaquer en haut. Voilà, là, je vais me bouger. Là, de toute façon, je vais me recevoir une attaque, mais c'est pas grave. On va avancer. Hop. Je vais plus loin. Je l'ai eu. Hop. Et je l'ai attaqué. Là, il y a une relique, donc, en récompense. Et je vais choisir... 30% de dégâts critiques. En plus... Et là, en fait, on peut choisir vers où on va avancer. Ça, c'est un petit peu comme dans les Slay the Spire, etc. C'est-à-dire qu'on a des embranchements de chemin et c'est à nous de voir par où on veut aller. Le signe d'exclamation veut dire qu'il y a une sorte d'événement de personnage. Donc, on va peut-être apprendre un peu plus sur le perso. Et ça, c'est un truc qu'on peut récupérer des âmes. Moi, je pense qu'on va aller récupérer des âmes. On n'en a pas beaucoup. Ok. Celui-là, je l'ai eu. Je vais attendre. Hop, hop. Il me faudrait une salle où je peux récupérer des armes. Hop. Hop, on est bon. Ça, je peux pas, j'ai pas assez de points. La salle bleue, j'ai oublié déjà ce que c'est. Mais dans tous les cas, je vais aller récupérer une arme plutôt. On attend. Hop, voilà, je l'ai eu. Et mon arme, donc je vais la mettre devant. Et ça va être soit une grande épée, soit une épée. Moi, je crois que grande épée, ça peut être bien. Touche un adversaire à une case de distance avec 50% de chance de coup critique, ça me va. Voilà, et je peux choisir l'emplacement. Est-ce que je veux qu'elle soit à gauche, à droite, en bas ou en haut? Et ça remplace les mains nues. À savoir que si je remplace une arme du même type... avec la même arme, ça la fait monter de niveau. Là, on va aller. Je me souviens pas encore une fois ce que c'est le truc bleu, mais ça doit être quelque chose d'intéressant. Hop. Hop. Là, j'ai pas fait d'attaque de devant, de toute façon. Alors, c'est quoi, ça? Déjà... Ah oui, c'est les reliques. Ok. Ouh, une rare. Des pièces d'or, ça peut être bien. L'amulette verte, ça soigne. Je veux bien du soin. Ça soigne par rapport au nombre d'adversaires que tu as tués. Personne ne m'a rendu visite depuis longtemps, surtout Dabred depuis l'incident. Haha. Laisse-moi t'aider, tu souhaites améliorer tes armes? Bah oui, ça serait sympa, ouais. Je suis pour, mais j'en ai qu'une seule. Par contre, pour l'améliorer, ça coûte des crédits que je n'ai pas, j'ai que 50. C'est triste, c'est dommage. Tant pis. Bah justement, là, je vais chercher des crédits. J'ai une case... j'ai un donjon de sous, là. Hop. Hop. Et je me prends des trucs de feu, hein. Il faut que je fasse attention. Ça, c'est des sous. C'est bien. Donc maintenant, j'ai des crédits. Mais de toute façon, ça me sert plus à rien. C'est bête, hein. Alors. Hop. Hop, hop. On lui fait autant de dégâts que possible. Bon, voilà, ça, je l'ai eu. Et donc ça, je peux ouvrir maintenant. Ça me donne quoi, ça? Ah, mais j'ai dépensé tous mes sous, par contre. C'est une arme aléatoire.
touche les adversaires à portée de 2 cases et ça soigne 3 PV en plus. C'est pas inintéressant. Je vais prendre ça et je vais la mettre sur la gauche. Mais il y a du pognon là, donc ça va. Il y en a pas beaucoup par contre. Je vais aller chercher encore plus de pognon. C'est bien. Pognon. Ça se joue super, super bien. J'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il va faire là. Ah, il est en train de charger, ok. Ouais, il charge. Dommage, j'ai pas le truc du... J'ai pas réussi à utiliser l'arme du coin là, de gauche. Mais tant pis. Donc y a pas grand chose à récupérer ici. Il est où le pognon? J'en vois pas moi. Je l'ai peut-être déjà récupéré. Événement. Améliorateur. N'aie crainte, j'existe uniquement pour aider les âmes perdues. Je viens te voir. Si tu peux bénir mes reliques. Ah, il y a un boss après. On va bénir ça là, pour que ça me soigne encore mieux. Je veux bien. Ça, c'est une relique que je vais garder de toute façon. Bon, on se concentre, il y a un boss. Mais au point... Je tape point nul, hein. C'est pas cool. Pas cool. Je suis en train de me faire bobo. C'est pas cool ça. J'aurais dû équiper sur la droite mes trucs. Voilà, là c'est mieux. Hop. Hop. Voilà. Non! Voilà, j'ai réussi par l'avoir. Une relique. Ah! Des pièces d'or. Je veux bien. On va aller chercher encore de l'or. C'est pas mal tout ça. Voilà. Est-ce que ça me récupère de la santé ou pas alors finalement? Oui, un peu. Je crois que c'est quand je le tue avec. Non, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Alors, comment on fait pour voir nos attaques? C'est ici qu'on peut les voir. Extermination, donc il faut les tuer en passant par la gauche, ok. D'accord. Et ça c'est quoi? C'est une arme. Katana. Touche un adversaire à une case de distance puis se déplace sur la case derrière celui-ci. Halbarde, ça repousse les adversaires. Ouais. On va prendre katana. On va mettre à droite. Et on verra bien. Est-ce que, ouais, voilà, de toute façon, je me suis soignée. Hop, j'ai rien en bas, j'ai pas de truc en bas, donc attention. Oups. Pas bon ça. Pas bon du tout. Ah ouais, pas bon du tout là. Pas bon du tout. Ouais, heureusement que j'ai le truc qui me soigne. Mais c'est chaud, hein.
C'est très chaud. On va revenir. Ouais, voilà, ça m'a soigné. Ah non! Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça m'a soigné. Youpi, une relique inconnue. En cas de coup critique... Ouais, je veux forcément les reliques rares. Ça me donne envie. Vous obtenez plus 10% de dégâts critiques bonus. Au début d'une salle, réinitialisez tous les dégâts critiques bonus avec cette relique. Ouais. Mais pourquoi pas? On va quand même prendre... Et ça, c'est quoi? C'est encore une relique? Voilà, j'ai plus de place pour les reliques de toute façon. Alors, on va aller vers les points d'âme là. Ouh, calmez-vous les gars. Ok, par là c'est pas mal, voilà. Ok. On va... Voilà, on jongle. C'est bon. Je l'ai eu. Là, j'ai plus d'argent de toute façon. On va aller à l'event. Mais je suis sûre que l'event, ça va me demander des sous bientôt. Un voyageur, un mortel, peu importe. N'aie crainte, je ne suis pas un démon, seulement un témoin de la tragédie entre ces modes. Monde ou mode? Paie-moi avec ton sang, j'exaucerai tes désirs. Ok. Bah, si c'est avec du sang, ça va. Quand vos PV sont au maximum, vous avez 50% de dégâts bonus. C'est quoi? Vous avez 30% de chance d'éviter de recevoir de dégâts. C'est pas mal ça. Grande épée. Lame accrochée. Voilà. J'ai encore des points de vie ou pas? Et j'ai plus que 10 là, ça sert à rien. Ah, ça c'est pour avoir de l'or, mais non. Ok, on y go. Ouh, je vais me faire bloquer dans pas longtemps. Allez. J'aimerais tuer quelqu'un avec la gauche là. Je vais passer mon tour, voilà. Là c'est bon. Ah, ça l'a pas fait. Parce que j'ai reçu des dégâts en même temps. Pas cool. J'ai presque plus de points de vie là. On va quand même s'éloigner un peu. Là, c'est bon. Voilà. Ah! Pas bon, ça. C'est bon, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme relique? Quand vous repoussez un adversaire contre un obstacle ou un autre adversaire, applique deux étourdissements. Quand vous repoussez un adversaire, vous infligez 5 dégâts de plus. Ouais, bah les deux m'intéressent en fait. Je sais pas si ça vaut le coup. Je vais le mettre là. Pognon, pognon, pognon.
Bon, on va aller là, vers le pognon, justement. Allez. Dis donc, hein. J'allais dire qu'il est prévisible, mais il change un peu quand même. Voilà. Ouh. C'est un coffre méchant. Ah non! Je l'avais zappé. J'avais pas vu qu'il allait bouger là. Ah non! Je suis allée dans... la lave. Que je fasse attention. Il faudrait que j'améliore quand même mes armes, hein, mine de rien. Là, on n'est pas géniaux. Hein. Un petit peu de sous, c'est déjà ça. Alors, c'est quoi cet événement? Ouh! J'adore! Filez-moi tout ça! On va voir ce qu'on va acheter après. Ça fait plaisir! Il y a des reliques, des armes. Bah, testons déjà une arme. Si on peut améliorer une de celles que j'ai déjà. Celle-là, par exemple, je crois que j'en ai une. Ah bah non! Ah non! Si, c'est bon, j'ai eu peur. Donc je peux donc l'améliorer. Cool. Et allez, encore une. Grande épée, bah j'en ai une grande épée aussi. Je vais améliorer également. Et voilà, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Ah ouais, là par contre, c'est moins génial. Voilà, je l'ai eu. Il faut que je fasse attention. Pas cool, hein. Ah non! Non, non, j'aurais dû partir, là. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a perdu? Donc, on gagne quand même des choses, mais j'ai pas eu le boss, donc. Dommage, dommage. En fait, selon les trucs que je fais dans mes parties, je peux gagner des bonnes choses. On va revoir un petit peu, hein, rapidement. Donc là, première arme. On va mettre une épée ensanglantée. Et première relique. Je crois que j'ai pas fait ça la première fois. Je crois que j'avais zappé cette phase. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est bien ça. Système de pillage automatique. Il est moi tout ça. Allez, on va faire rapidement là. Ah! J'attends. Voilà, là on est bon. Et je peux choisir une arme. Peut-être que je devrais prendre un pistolet pour une fois. Un pistolet. On va chercher encore une arme. Allez, viens. Comme ça, c'est fait. Hop, je l'attends. On est bon. Attends, j'ai quoi, moi? C'est pas ça que j'ai, ok. Albar touche les adversaires à 2 cases de distance. En cas de coup critique, repousse les adversaires. Non, mais je veux bien le truc qui soigne, en fait. Ça m'intéresse. Là, j'utilise l'arme à feu.
Ça m'a bien servi pour une fois. Ça, je peux l'améliorer du coup. Pistolet automatique. C'est pas l'automatique que j'ai, je crois. Épée écrasante. Touche un adversaire à une case de distance. Puis les deux personnages se repoussent simultanément. Non, je vais prendre ça. Et on va améliorer le longin. Je sais plus. Ok. Mon équipement. Ouais, bah j'ai toujours pas de points là. C'est triste. C'est très très triste. Voilà, ça c'est fait. Hop, ça aussi c'est fait, on est bon. Là, je viens d'acheter un truc pour une relique. En cas de coup critique, on a des bonus, pourquoi pas. Et on y go. Voilà, super. Vers l'argent, s'il vous plaît. Ah, j'ai rien là en plus que des... Que des trucs... Allez, je l'attends. Hop, je viens de récupérer de la santé. Super. On va chercher une nouvelle arme là parce que il me manque une. Bon, c'est quoi qu'elle fait déjà la première? Touche un adversaire à une case de distance, obtient un point cumulé, ok. Donc il faut que j'extermine avec celle-là. Ouais, c'est pas gagné ça. Lame accrochée. Revolver peut-être. On va essayer le revolver. On va voir ce que ça donne. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Bonjour. Ah oui, c'est celle qui améliore. Ok. Je suis pour... Je veux bien le système de pillage automatique. Il a pas l'air commode le bonhomme. Hein. Mais il a une armure en fait ou un truc du style. Ouais, je crois qu'il a une armure en fait. Ah non! Là, j'ai fait une bêtise encore. On va bouger. Ah bah, je peux pas aller en haut, je vais attendre. Pourquoi je le loupe à chaque fois? Ouais, c'est le boss n'était pas commode. Ok. Bah, c'est pas grave. En tout cas, j'ai passé un bon moment sur cette découverte. Un très joli jeu de dungeon crawling, tour par tour, roguelite, tout ça. Très très stylé en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like fait toujours plaisir. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. Ciao ciao !